Yo les gars, c'est Jeffrey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur FIFA 21. Un nouveau squad builder pour faire l'équipe parfaite, selon moi, pour 300k pour l'Orange Ligue 1 là, qui arrive très très prochainement. Donc je vous conseille de vous inscrire. N'hésitez pas à aller voir sur Twitter. Ils ont un compte exprès pour ça justement et je pense m'inscrire aussi, pourquoi pas. Et du coup j'essaie de vous proposer quelques équipes qui pourraient être pas mal à jouer dans ce mode là. Donc on va commencer par le gardien, donc je ne l'ai pas précisé mais c'est dans le titre. Donc si vous êtes là vous le savez, c'est une équipe à 300k à peu près. Donc le gardien c'est Walter Benitez. C'est vraiment pas mal, je l'ai pris lui et pas par exemple un Keylor Navas parce qu'il est beaucoup plus grand et au moins il prend plus de place dans les cages. Et cette année, vu que c'est un petit peu aléatoire les gardiens, vaut mieux la jouer comme ça je pense. Après vous faites comme vous voulez bien sûr, hein, vous changez ce que vous voulez les gars dans l'équipe. Moi j'ai opté pour Benitez au cage, il a d'assez bonnes stats, 84 en plongeon, 86 en réflexe, donc c'est largement suffisant. Ensuite en arrière droit on a Youssef Attal, la version boost cette fois-ci, donc vous pouvez pas faire mieux un côté droit je pense, et il est pas si cher, je crois qu'il coûte aux alentours de 20-30k. Il a 5 étoiles mauvais pied, 4 gestes techniques, donc si vous voulez vous sortir d'une situation en dribblant c'est pas mal. 83 en agilité, 94 et 95 en vitesse et accélération. D'assez bonnes stats défensives, hein, 82 en tacle debout, 80 en tacle glissé, pardon, c'est largement suffisant. Ensuite, dans l'arc, Denayer Boost, 78 en accélération, 82 en vitesse, 75 en agilité, 88 interception, 86 tacle debout, 87 tacle glissé. Et 86 en force aussi, donc il a de très gros stats et c'est sûrement un des meilleurs défenseurs qu'on puisse mettre en Ligue 1 selon moi. 1m84, c'est vrai que c'est assez petit mais il compense par sa vitesse. Et vous inquiétez pas que celui à sa gauche, Presnel Kimpembe, donc ça reste la version régulière, il coûte beaucoup trop cher son boost, si je me trompe pas, je crois que c'est une version boost, elle coûte beaucoup trop cher pour une équipe à 300k. Du coup j'ai opté pour la version régulière qui est largement suffisante, hein. Regardez, d'assez bonnes stats, hein. Vous le connaissez cette année, 74 en vitesse, 72 en accélération, 82 en interception, 80 en tacle glissé, 80 en tacle debout. Et justement il compense avec Denayer parce qu'il fait 1m89, donc c'est plutôt lui hein, qui va prendre les ballons de la tête, même si bien sûr que Denayer en prendra vraiment pas mal, ne vous inquiétez pas pour ça. En plus un gaucher un droitier, donc c'est vraiment pas mal. Ensuite arrière gauche Camara, pas du tout cher et très très bon, élevé, donc c'est génial pour les contributions. 88 en vitesse, 89 accélération, 84 endurance, ça c'est pas mal pour les fins de match. Donc ouais, assez complet, je pense que c'est difficile de faire mieux et j'ai plutôt opté sur la vitesse que sur les stats défensives. Et du coup je pense que Camara ce sera largement suffisant. Ensuite le milieu droit de cette équipe, je ne l'ai pas changé par rapport à l'équipe des 100k. Donc c'est Jelson Martins, je ne sais pas pourquoi je bégaye, c'est pas grave. Qui est largement suffisant aussi hein, avec ses 94 en agilité, 92 en équilibre. C'est difficile de faire mieux, surtout les 5 étoiles gestes techniques, élevé, il a vraiment tout pour lui. Hein. C'est vrai qu'il n'a pas une énorme stat en finition, mais vous inquiétez pas, ça ira si vous placez bien le ballon. Et si vous tirez où il faut, ça devrait aller. Il a la particularité d'avoir extérieur du pied aussi. Et dribbleur rapide et dribbleur technique, ça c'est très important d'avoir les deux parce que c'est, enfin, on ne peut pas faire mieux je pense pour un joueur de côté, c'est tout ce qu'il faut. Donc à vous de le tester et de me dire ce que vous en pensez, mais je pense qu'il est vraiment bon. Pour l'avoir testé en fut champion récemment, c'était vraiment pas mal. Ensuite, le premier milieu défensif de cette équipe, c'est Benjamin André, qui a une très grosse stat. C'est sa version, je sais plus exactement, briseur de rythme, pardon, c'est marqué, que je trouve vraiment incroyable. Pour l'avoir testé, il est trop fort. Agressivité 88, endurance 95, détente 94. Tacle debout 87, conduite de balle 88, 93 réactivité. C'est vraiment, il est incroyable. C'est surtout sur l'aspect défensif que vous allez voir qu'il intercepte énormément de ballons.
C'est hallucinant. Élevé, élevé en plus. Il n'est pas très grand, mais pas très petit, 1m80. C'est largement suffisant. Il est compensé par Morgan Sanson, qui est l'homme à tout faire dans ce milieu de terrain. Avec des stats assez complètes. 4 étoiles sur technique, mauvais pied, élevé, élevé. 1m80 lui aussi. Vous voyez que lui, vous pouvez tirer de loin. 85 en puissance de tir. 80 en centre. 86 en passe longue, 85 en passe courte. Donc lui, ça va surtout être sur l'aspect offensif qui va être utilisé dans cette équipe, même s'il a de très bonnes stats défensives quand même. Hein. Il va en intercepter des ballons, mais c'est plutôt le rôle de Benjamin André. Mais vraiment très bon, Morgan Sanson. Donc c'est la carte Ligue des Champions en route vers la finale, qui coûte pas très cher, surtout vu que Marseille s'est fait sortir, il est aux alentours des 15K. Ensuite, le milieu gauche de cette équipe, Jonathan Bamba, 4 étoiles de technique, 4 étoiles de mauvais pied. Donc c'est la première version boost. Après, si vous avez assez pour la deuxième, c'est encore mieux. Mais elle coûte assez cher, du coup j'ai préféré garder celle-là, comme pour l'équipe à 100K. Donc 4 étoiles de technique, mauvais pied, droitier, élevé, élevé, 85 en agilité, 78 en finition. Lui, il est vraiment meilleur que Martins, par contre, à la finition, ça c'est mieux. Donc il se complète un petit peu, on va dire. Mettez-lui quand même une carte pour l'agilité, comme vous voyez, il a que 4, enfin 85, ouais, c'est pas mal, mais mettez-lui quand même une carte. Enfin, c'est assez complet, c'est largement suffisant. Si vous l'utilisez bien, ça devrait aller. Le MOC de cette équipe, c'est Wissam Ben Yedder, 4 étoiles de geste technique, 5 mauvais pieds, très très bon. Et je pense qu'il est vraiment utile d'avoir un joueur assez agile, donc 91 ans. En agilité au poste de MOC pour les transitions rapides et efficaces. 88 en finition aussi, ça c'est énorme. 89 en équilibre, donc il tient bien sur ses jambes, il a tout pour lui, Ben Yedder. Et devant, il est accompagné par Memphis Depay, donc ça c'est sa première version boost à 85, qui est vraiment très bonne. 83 en finition, 87 en puissance de tir, 83 en tir de loin. 83 en centre, 86 en précision coup franc, donc il est vraiment complet partout. Hein. Vous pouvez le faire tirer les coups francs, il a de très bonnes stats. Hein. 87 en vitesse et accélération, ça se trouve que c'est un très bon point. Et de loin l'équipe, ça donne ça. Donc vous pouvez aussi permuter hein, si vous préférez un joueur un tout petit peu moins rapide mais plus finisseur. C'est vraiment comme vous voulez. Hein. Donc dites-moi ce que vous pensez de l'équipe en commentaire, les gars, n'hésitez pas. Et moi je vous laisse. Et la prochaine, ce sera 500K. N'hésitez pas à me dire ce que vous aurez changé. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.